comme la chose a disparu, j'ai eu comme apparaît dans ma tête, comme un détecteur. Voilà, voici comment il est mon don. C'est-à-dire, c'est dedans, c'est là. Je vois quelqu'un qui fait l'accident, qui vient faire dans le bras, c'est là. Je vis ça. Quand je suis assis, quand ça déclenche, voilà. Mon dessin est dedans. C'est comme ça, il m'en donne. Quand ça déclenche, je commence à voir. C'est-à-dire, ta tête devient comme là, l'écran d'un ordinateur. Et puis, Dieu commence à me parler sur toi. Oh, vous connaissez la vie des sorciers, c'est des menteurs. Et ils mentent. C'est des grands menteurs. C'est comme ça, il le donne. Je peux scanner des choses. J'ai fait trop de choses. Dieu m'a utilisé pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Il faut pas demander de tout. Parce que si tu m'entends avec un problème, nous sommes pas à cette première histoire. À Fresco, en 2013, en 2012, dans le village de Nyago 1, Nyago 2, nous sommes allés faire un travail de délivrance, d'évangélisation dans un village. Nous avons mis la main sur une confrérie. Il y a une dame, une jeune fille, qui avait donné le sida à 6 personnes, 60 personnes dans le village. Ça s'est passé comment? La jeune fille, elle est mystique, elle est sorcière. Elle est venue m'attaquer. C'est comme ça le Seigneur l'a maîtrisé. Et on s'est regardé, elle et moi. Comment elle fait? Elle fait sortir des serpents. Il mord des gens et tout ça. Un petit sorcier bizarre, parce que là. Nous, on a connu sorcier. Voilà. C'était pour vous montrer cette histoire des déterrés canaris. Ça ne date pas de maintenant. Voilà. Je suis en train de. Je suis en train de. J'ai réglé un problème d'une famille. Il fallait que j'explique beaucoup de choses. Et le village. Le village a. Ils ont mangé. Le premier village a mangé. Comme les deux mangent ensemble, le deuxième village a eu sa part. Envoyez-moi les photos. Et les sorciers ont dit, l'ont compris, dit, si on arrive à mettre la main sur le canari au niveau du village, parce qu'ils avaient programmé une jeune fille qui était importante dans le village. Ils ont parlé, ont dit, ah, c'est vrai, hein, mais il y a une dame qui doit mourir, une grande dame dans le village, elle doit très bientôt mourir. Et on a demandé, qu'est-ce qu'on devait faire? Ils m'ont dit carrément, il fallait forcément déterrer, de mettre la main sur les canaris. Donc on était obligé d'organiser un programme dans le village. Nous sommes allés dans le village, organiser un programme dans le village. On est qu'il envoyait brûler. Hein? Amen. Arrivé dans le village, on met la main sur la confrérie. Ils reconnaissent l'existence du canari. Mais le canari est mystique. Et Dieu m'a utilisé à faire sortir le canari. Voici le canari. Et dès qu'on a détruit le canari, que la chair est sortie, qu'on a détruit tout ça, c'est fini, ça a libéré la jeune fille. Elle était gravement malade, qui devait mourir. Aujourd'hui, elle a envie. Mais ce n'est pas ma première expérience dans votre famille. Ce n'est pas ma première expérience. Ceux de Zaroko, ils savent ça. Ici, c'est un peu ma spécialité. Voilà, je vous dis, ça ne date pas de maintenant. Partout où je suis passé d'ailleurs, c'est comme ça que le Seigneur m'a toujours utilisé. Amen. Amen. Voilà, voici la jeune fille dont je parlais. Elle a donné le sida à 60 personnes. Voici 60 personnes, voici la seringue. C'est ici, elle était en train de faire des pratiques ici. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle voulait envoyer ça si moi elle est tombée. Elle a fait sortir un serpent, la seringue est sortie. Et nous avons prié pour les 60 personnes. Elle a dit, c'est pas que les gens couchent avec elle, non. Elle s'est là dans la nuit, littéralement, puis elle donne le sida aux gens. Elle a dit, j'ai donné le sida à telle personne. Elle s'est dit, non, depuis quand elle couchait, tu as ça. On va au dispensaire, on fait le test. Le monsieur a ça. Il est étonné. Il y a 60 personnes. Ils sont censés vous dire que c'est tellement sérieux le problème de la société. On peut avoir une maladie comme ça. On t'a dit une maladie telle que le sida, telle que le cancer. On a vu aussi des personnes ici qui avaient le cancer. Ils donnaient le cancer aux gens. Amen. Vous dites, nous ne sommes pas à cette première expérience. Or, quand on a fini le programme de la famille, la dame en question, votre tante ou d'autres personnes, maman, soeur,
avait enterré un truc mystique. C'est parce qu'on n'a pas la photo, c'est ça? Vous avez eu la photo, vous êtes fini, voilà. Il fallait que je parle d'éterrer la chose. Elle appelle ça vétige de la sorcellerie. Parce qu'elle n'arrive pas à réussir des choses, il prend des choses sur la terre ici, et puis en terre, elle allait enterrer la tête d'un chat. C'est chat. Un chat noir. Là où on fait la cuisine, on prépare. Elle a bloqué le maquis. Moi, c'est maintenant que je suis à Divo, sinon j'ai entendu parler des démons, il paraît être un grand maquis dans l'époque. Voilà. Donc, mystiquement, elle a fait tomber le maquis. Et elle a détruit toute la famille. C'est ce que je suis allé faire au risque même de ma vie. Je suis allé déterrer la chose. C'est mon don. Oui, c'est comme ça. Dieu, là, il donne des dons. Il ne faut pas limiter Dieu. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4, verset 6, on dit qu'il y a la diversité de dons. D'autres me disent, mais pourquoi tu déterres les choses? Mais si sorcier dit la même quelque chose, on doit déterrer. Donc, on ne prie pas comme ça, on déterre. Si vous n'avez pas le pouvoir de déterrer, fermez nos bouches. Vous ne voyez pas ça tous en mystique. Tout va mystique. Pourquoi il y a une mystique? Vous ne comprenez pas, moi je déteste ça. Vous sauvez les vies. Amen. Donc que Dieu bénisse. Nous venons de vous faire sortir des difficultés. Je sais ce qu'on va faire, je suis dit. Parce que Dieu me guérit. Ma famille est ici. Je suis les rescapés. Dès qu'il m'a coupé, mon petit frère le mangeait. Oui, il doit manger. Lui, il jouait à la chose, ils l'ont pris. Vite, on fait que Dieu nous. Ils l'ont mangé. Ben, ils avaient faim. Là, j'ai compris que c'était vraiment sérieux le problème de la société. Moi, je vous comprends. Et les Blancs disent que non, les Africains sont trop superstitieux, ils cherchent leurs problèmes ailleurs. Hey, mais toi, tu sais que tu es compétent. Tu sais que c'est bon. Mais tu n'arrives pas à avancer. Tu vas chercher quelque chose. Amen. Nous allons régler le problème tout à l'heure. Je vous informe que Jésus-Christ est puissant pour ceux qui ne savent pas. Je vous déclare qu'il est puissant. Il ne suffit pas d'être religieux, ça dit qu'il ne faut pas aller à l'église, il faut vivre. La chrétienté, c'est une vie. J'allais à l'église pour les chrétiens. Or, quand tu vas à l'église, il y a des enseignements. C'est quand tu obéis à la parole de Dieu que tu deviens chrétien. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu deviens chrétien. Il y a des gens qui ont tendance à venir ici, le prophète va les protéger. Moi, je ne protège pas. Hein. Moi, j'aurais dit, j'ai bien prié pour toi. J'aimais, ça va marcher. Mais je te montre le chemin de Dieu. Si tu as laissé ce monsieur-là, sorcier va te prendre et te manger. Une en a mis sur toi, on l'appelle ça, Il a même il ressemble même à Jean Brésil. Alléluia. Amen. Je vous dis, il faut que le Dieu soit au centre de vos vies. Mais les gens qui viennent marcher, et puis, il ne veut pas mettre Dieu. Il y a un monsieur qui me disait un jour, il dit, non, tu sais bien, je vois ton histoire de Jésus, là. Comment il dit ça? Tu le laisses, moi, je m'en. Comment il peut prier? Non, si tu veux parler de ton histoire. Ah, mais comment il va arriver? C'est lui qui fait ma force. Tu ne veux pas qu'il ait pris sans Jésus. Tu cherches quoi? Non, que lui n'est pas chrétien. Mais mon histoire de Jésus, j'ai dit, cher, pardon, là où tu es là, tu sais que ce n'est pas puissant. C'est pour ça que je sollicite mon aide. Je te montre ce qui est fort. Celui qui est fort, c'est Jésus. Moi, je m'en fiche. Je ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Je vous amène à expérimenter ce que moi j'ai expérimenté. C'est tout. Ce que moi j'ai expérimenté. J'avais des difficultés et le monsieur m'a délivré. Jésus m'a délivré. Je vous partage une expérience. Vous ne voulez pas qu'il associe à ça? Jésus est puissant. Il n'est pas au centre de vos vies, le diable va vous détruire. C'est tout. C'est ce qui enseigne aux gens ici. Si vous venez chercher Dieu, ne cherchez pas grâce, vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. À mon soleil, amour. À mon soleil, amour. À mon soleil, amour. À mon soleil, amour. Choisi. Amour, salut, amour.
Suyo.
Oh,
C'est vraiment oui, il est digne de louange. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est digne de louange. Amen. Amen. Il nous fait la grâce souvent. Amen. La grâce est un don mérité. Ça arrive rarement aux gens. Moi, un sorcier dans la famille, c'est moi qui suis la base des temps d'enchaînement qui fait tout ça. Et puis du coup, Dieu, à travers les aveux du sorcier, délivre une famille. C'est une grâce. C'est pour ça qu'avant d'aborder le sujet, avant de faire bénir ces personnes ici, parce qu'on a, les actions prophétiques à poser, aucun bon nouveau souffle sur la famille, il fallait qu'on loue le Seigneur pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait. Amen. C'est vraiment puissant, c'est une puissante action de Dieu de démasquer non seulement ça, ceux qui sont à la base des difficultés au sein d'une famille, mais en même temps de comprendre que Dieu a décidé de délivrer encore la famille. Amen. Voilà, nous bénissons notre Dieu. Dis à quelqu'un, il est merveilleux, Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Amen. Amen.